Ça fait 2 semaines que Julien il est parti. 2 semaines! Vraiment, 2 semaines que Julien il part. Et sa sœur est revenue de vacances, elle lui a apporté un sac, un cadeau. Et de sa colonie à l'école et toujours pas venue. Je vais aller la voir. D'ailleurs, Julie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu joues à Roblox? T'as fini quoi? Mais deux fois. Ah, ok. S'il n'y avait pas grand chose à faire, c'était pour ça. Oh, ça sonne. Viens, Julie. Encore les voisins qui vont. Encore les voisins qui vont. Julien? Maman? Julien? C'est toi? Mon chéri, viens ici. Ouais. Je peux aller prendre une douche? Ah oui, bien sûr. C'est ta maison, tu fais comme chez toi. Vas-y, fonce. Va prendre une douche, je vais préparer tes vêtements. Vite. En plus, il y a l'école. Julie, toi, va préparer. Bon, message à la conseillère, que je vais le rappeler le plus rapidement possible. J'arrive pas à croire. Julien est revenu. Mais ça me fait tellement plaisir. Ça fait 2 semaines que j'ai pas vu mon fils, quand même. 2 semaines. Et ça y est, je le retrouve enfin. C'est génial. Bon, allez, je vais vite fait préparer ses vêtements. Voilà. Ça, c'est ses vêtements préférés. Je le sais. Julien, je pose tes affaires ici, sur le lavabo. D'accord. Mais Julie, regarde pas ton frère, il est tout nu. Et toi, va prendre ton sac. Ah, bah va mettre ton sac. D'accord. Et Julien, je vais vous préparer son sac. Voilà. Go la grande école, mon fils. Je t'ai mis ton sac ici. Il y a des gens. D'accord. C'est un nouveau sac, hein, Julien. C'est ta sœur qui te l'a ramené. Oh. Quand je suis partie en vacances avec mon école. Tu vas voir, il sera trop beau, le sac que je t'ai acheté. C'est bon, maman? Nickel. T'es prêt, Julien? Non, pas encore. Dépêche-toi. L'école, c'est dans pas longtemps. Ah, oui. La policière, encore les voisins? Encore? Oui. Les classes? Oh, c'est bon, il est prêt. Non. Encore les voisins. Bah, c'est pas les voisins, c'est une petite tombe qu'elle veut qu'on adopte, mais nous, on fait semblant d'être anglais. Chut. Ouais, chut. Maman, allez. Prends une gaufre. Oui, prenez une gaufre vite fait. Julien, ton sac à dos. Et arrête de pleurer, mon grand. Allez, rentre, maman. Arrête de pleurer. Au champ, là, pour toi. Je vais rentrer, maman. Tu peux m'en donner une? Mets un peu ton sourire, Julien. Non. Oh maman, je crois que... Miam, miam, miam. Bien, Julien. Je vais te mettre ta série préférée. Ah, merci. Maintenant, je suis devenue... Les contente. Enfants, le 4x4 est prêt. Dépêchez-vous. Oh, il est beau le nouveau sac. Cops, cops, cops. Allez les enfants, dépêchez-vous. Moi, je suis prête. Bah, va dans la voiture, Julie. Julien, c'est pareil. Arrête tes bêtises et viens ici. Allez, vite, dépêche-toi, il pleut. T'as ton sac? Nickel. Miam, miam, miam. Dépêche-toi, il pleut. Et derrière, pas devant. Qu'est-ce que vous faites avec la voiture? La ville est mettue là. On va derrière. Tout le monde dessus. Voilà, c'est bien, Julien. On va derrière.
Allez, mangez votre gaufre. Go l'école, on voit rien avec cette pluie. C'est de la neige, maman, tu sais. J'aime pas la pluie. La pluie, bah c'est on voit à travers. Là, c'est de la neige, on voit pas à travers. Ah là, ça, là ça s'est calmé. Bon, Julien, vu que tu es un grand garçon maintenant, tu vas à l'école de ta sœur. Quoi ? Oui, toi. Allez-y, descendez. Vu que je suis policière, c'est moi. Julien, viens ici. Oui, je t'ai donné l'argent, c'est pour la cantine. Alors dépêche-toi. C'est pas pour rien. C'est pas pour toi t'amuser. Julie, il est où ton casier? Je le vois pas. Prenez votre badge d'étudiant, s'il vous plaît, les enfants. C'est important. Julie, prends ton badge d'étudiant. Je prends ce casier-là. Mais Julie, c'est normal que tu peux pas ouvrir ton casier. C'est parce qu'il faut prendre ton badge d'étudiante. Où t'es? Viens, Julie. Allez, ton badge d'étudiant, c'est celui-là. Vas-y, Julie. Clique dessus, voilà. Et maintenant, tu peux choisir ton casier. Et après, dès que c'est fait, les enfants, on va à l'auditorium. Et vous vous asseyez à deux, à côté. Allez, viens, Julie, alors. Ah, par contre, il y a trop de lumière. Je pense qu'on doit éteindre le truc en haut. Non, Julien, on joue pas avec ça. Alors, je pense qu'il y a trop de lumière violette. Du coup, bah, on va te dire ça. Voilà. Allez, viens, Julien. Assis-toi à côté de ta sœur. Là, je pense que c'est bien. Voilà. Assis-toi à côté de ta sœur. Bonjour chers élèves, je suis policière, même chef de police de Brookhaven, donc c'est moi qui va choisir aujourd'hui, enfin c'est pas moi qui va choisir, c'est moi qui va nommer vos classes, de que ce soit en CM1, en CP, en CE2, en CE1 ou en CM2, vous devez, quand vous entendez votre prénom, vous venez me voir, c'est que vous êtes dans cette classe-ci. Nous allons commencer avec les élèves de CP, ce sont les plus petits. Il y a Julien. Oui. Vas-y, mets-toi à côté de moi. Donc il y a Julien, Thomas, Eric, José, Evan, Alicia, Laura, Luna et Sonia. Allez-y, je vais vous accompagner à votre classe. Vous restez là. Alors, toi, c'est ta classe ici, là. Ici, c'est votre classe, les enfants. Travaillez bien. Oui. J'aime plus les quasi bleus. Maintenant, je prends les quasi rouges parce que c'est mieux. Passons au CE1. Quelques minutes plus tard. Ça y est, nous passons au CM1. Au CM1, il y a Julie. Allez, viens, Julie. Alia, Laïa, Léa et Taina. Il y a comme garçon Lorenzo, Camille, Antoine et... j'arrive pas à lire ce prénom. Yann, ok. Venez, suivez-moi, votre classe, c'est par là. Travaillez bien. Merci. Et les CM2, ce qui reste, vous pouvez aller dans votre classe, la dernière, que je n'ai pas montrée aux élèves, là où il n'y a pas d'élèves en fait. Allez, passez une bonne journée et au revoir à tous.
C'était un sacré spectacle. Maintenant, moi, il faut que j'aille au-dessus du toit voir ce qu'il y a. Ma copine, c'est la, enfin, la tata de mes enfants, sur les maîtresses. Tu sais quoi, je vais aller les voir. Je vais passer un petit coup dans les classes pour bien voir. Je vais commencer avec Julien, parce que Julien, c'est le plus petit. Voilà, tout est fermé. Je vais passer de ce côté-là. Est-ce que c'est possible d'avoir une entrée? Voilà. Je vais voir mon contrôle. Alors, j'ai eu 10 sur 10, ouais. Bonjour. Bonjour. Je suis la maîtresse. Je suis la policière, la chef de police. Donc, je vais venir passer un coup dans toutes tes classes. Et je vais passer faire un petit contrôle vite fait, juste pour voir comment vous apprenez. Donc là, vous êtes des CP, donc ça va être des questions assez simples. Alors. Allez, on cherche. Moi. Je peux y aller. Vas-y, Julien. Allez, mon fils. Je vais l'écrire sur le petit panneau en haut de toi. Hop. Ah non, ça marche pas. Je vais marquer sur le tableau. Ah non. C'est égal à 4. 2 plus 2 égale 4. Aïe. Ça fait mal. Voilà, là c'est bien. Donc, on va faire le deuxième et je vais vous laisser tranquille. On va faire simple. Allez, là ça va vite normalement. Je sais, madame. Vas-y. Allez, mon chéri. Tu as marqué ? Non. Bah, ça fait 68. 68, regarde. 6 et 8. Oui, ça fait bien 68. Voilà. Pourquoi toi, ça marche ? Moi, ça marche pas. Parce qu'il faut mettre des espaces. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Vous faites la lecture que madame vous avait proposée tout à l'heure et je vais vous laisser tranquille. Ouais. Ok, je vais aller voir les CM1. Ma Julie, allô, elle est... Maman. Mais chérie, pourquoi tu as le téléphone en classe? Maman. Oui. Ma maîtresse, elle dit que je suis la meilleure de la classe. C'est bien. Ok, alors, bonjour les enfants, je suis la policière, c'est juste que je n'ai pas mon uniforme, mais la chef. Exactement. Donc, je vais vous passer quelques... Je vais faire toutes les classes. Je vais vous passer quelques... deux petits problèmes à faire. Alors, c'est parti. On va faire ça. Oh non, mince, j'ai fait des bêtises. Oh. Allez, on réessaye. 32 plus... Allez, 32 plus 1 égale. Julie ? C'est l'heure de partir en gym. D'accord, madame, on va en gym. T'as 32 bonbons. Et t'en rajoutes un, t'en achètes un. 32 plus 3. 2 plus 1. Ça fait combien ? Moi, je vois Julien. Oui, il va en gym. 2 plus 1.
3. Donc avec les 3 avec les dizaines 33. Très bien, ben je vais vous laisser tranquille. Ouais. C'est l'heure d'aller en gym, je vous accompagne. C'est parti. On va aller avec les petits. Allez, vous prenez des ballons et on essaye de jeter dans le panier. Allez, go! On va aller en récréation. Marche arrière. Attendez, les enfants, j'arrive. On va faire autre chose. Comme sport avant. J'arrive. On va faire un petit... Il faut faire des passes. Allez-y. Je vous ai mis un ballon. Allez, on se fait des passes. J'ai mon ballon. Ok les enfants, à ce que je vois, c'est bientôt l'heure de la récré, alors on va y aller. Ouais. Allez, c'est parti. Go la récré. Que tout le monde. Oh, bah, je vous ballon tout ici. Julie, toi, si tu veux, tu peux lire un livre. Hein. Je vais m'asseoir là-bas et lire un livre. Ouais, c'est bien. Va t'asseoir dans le coin. Ici, là, comme ça, je te vois. Non, je vais mettre le petit. Non, non. La ligne. Non. Je vais mettre dans ton but. Je vais mettre dans mon but. Allez. Le but de maman, il est là-bas. Allez, le but de maman, il est là-bas. Oh. Et 3, 2, 1. Go! Allez, Julie, tu peux t'asseoir, hein, ma puce. Tu sais? Voilà. Allez, toi que maman, il bouge pas. Toi que maman, il bouge pas, on y va, allez. Non, je joue plus, mon chéri. Allez, mon chéri, ouais, t'es trop fort. Bon, allez, venez les enfants, il commence à se faire tard. On y va, on va rentrer. Et pourquoi son maman qui est 6h du matin? Mais c'est parce qu'elle est mal réglée. Tu sais, depuis le temps, on a changé les heures. La dernière... En façon, la dernière fois... Non, en fait, c'est juste que la dernière fois, c'était mal mis. Allez, venez les enfants, c'est l'heure de rentrer. J'en ai un et j'en ai deux. Allez, suivez-moi. Julien, tu as retrouvé mon cake? Quoi? Tu as retrouvé mon cake? Je sais pas. Non, je ne sais pas trouvé. Et demain, c'est samedi. Donc, on va pouvoir aller à la plage. Ouais. Vous êtes tous les deux derrière, j'espère? Oui. Non, Julien, tu es devant. Non, je suis derrière. Elle est jetée là, ma grande sœur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on monte, hein. Non, mais j'ai pas pris.
Il y a des gens qui essayent de monter dans notre voiture. Et ils sont... Attendez. Pourquoi ils veulent monter dans notre voiture? Elle a été gobée dans notre voiture. De toute façon, on va la enlever de notre maison. On va faire bien, mais elle sera enlevée de notre maison. Alors? Il y a des gens à la police qui traînent avec... Attendez, je vais mettre... Je vais voir pour avoir une meilleure vitesse. Regarde, moi, je suis sûr que je te bats avec mon overboard. On ne joue pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Moshé? Quand j'aurai un peu le temps libre, et ben je pourrais faire un peu. Tu rentres pas dans le garage, maman? La droite trottinette. Ah, maman. Il y a des gens. Eh, Benda, elle a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a des gens qui rentrent dans la maison. À l'aide! Bannez-les! Je vais fermer la porte à clé. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une annonce. Euromillion. Je vais m'inscrire, on va voir. Ah non, c'est pas vraiment un Euromillion, c'est pour avoir des billets de vacances. Et 3. Donc 6 gagnent. Ça ferait une bonne surprise, je trouve. Sur Live Talk. Oh, c'est génial. Ok, Vous mettez en pyjama? J'ai trouvé mon cake. Oui, allez Julien, tu vas te laver ici, Julie. J'ai mon émission préférée à la télé, comme ça après. Bien Julie. Juste après. Pour une fois, tu vas pouvoir utiliser la salle de bain de maman. Ouais, la salle de bain de maman. Vas-y là. Où tu vas? C'est là. C'est là. D'accord. C'est nous ça. C'est mieux Cops. Cops, c'est des voitures du coup. Tu t'es mis en pyjama, Julien. Ouais, c'est bien. Donne-moi ton sac à dos, on va l'enlever. Ah oui. Allez, moi je vais le ranger dans ta chambre. Tiens, maman. Hop, hop. Et... Ah, il y a une branche qui monte. Ah, voilà. Voilà. Attends. Attention, il y a de la musique. Ça veut dire que je l'ai sorti. D'accord. Julien. Hop, bon, allez, je vais le déposer dans sa chambre. Et voilà. Julien au lit. Julien, range-moi cette guitare et viens au lit. Allez, viens dans mes bras. En plus, tu t'endors, ça se voit. J'ai l'impression. Maman, je sais pas, mais j'ai une impression bizarroïde. Je crois que... Allez, viens dans mes bras, je le savais que t'allais dormir. Allez. Julie, t'es déjà couchée? Oui, maman. Moi, je peux mettre mon fond juste à côté de moi. Là, j'ai la chambre de Julien. Je vais éteindre la lumière pour qu'il dorme mieux. Voilà. Bon. Allez, let's go regarder la télé. Pendant que maman avait fait dodo, comme d'habitude, là, non, il n'y a personne. Je vais aller en bas, j'ai fait semblant d'avoir envie de faire, j'avais vraiment pas envie de faire le dodo, c'était une blague.
Du coup, maintenant, je peux regarder la télé en bas. Parce que maman fait dodo. Qu'est-ce qu'il raconte? Maman fait dodo, je peux. Maman, je vais mettre mon fort, s'il te plaît. Oui, oui, va te recoucher, chérie. D'accord. Elle m'a pas vu, je crois. Non. Les lumières sont allumées en bas. Ça veut dire que maman est là. Je vais attendre quelques minutes quand les lumières seront éteintes. J'irai en bas et regarder la. Mais j'allais en bas quand les lumières sont éteintes. Je pense que ça fait quelques minutes que j'attends. Les lumières sont allumées. Elles sont éteintes. La télé, elle est allumée. Julien, qu'est-ce que tu fais là? Va te coucher maintenant. Mais je m'en fiche, j'ai encore mon téléphone. Bon, allez. Ça y est. Oh, j'ai gagné, mais c'est génial. Maintenant, je vais descendre tant qu'il est pas là. Go, allez à la plage. Go, on va pas, peut-être pas aller à la plage. Je vais leur annoncer. Les enfants, il est l'heure de se réveiller. J'ai tout entendu. Vous descendez. Dans ma chambre. On va dans la... Non, on va pas descendre. On va dans la chambre à Julien. D'accord. Julien. Allez, zoup. Julien, tu vas arrêter. Ouais, ouais. Allez. J'ai quelque chose à vous dire, les enfants. Tu danses dans les bras de maman. Qu'est-ce qui va se passer? T'as gagné, du coup, on pourra partir en vacances à Liftopia. C'est ça, on part en vacances à Liftopia, les enfants. Moi, j'ai tout à l'heure. Hé, Julien, c'est ta ville que tu voulais aller? Liftopia? Oh my god, boss. Alors maintenant, c'est l'heure de... Allez, on danse tous. Et tous de la même façon. Sur le lit de Julien. Allez, tout le monde twerk. On twerk. Ok, c'est bon, on arrête. Julien, tu prends ta valise. Julie, tu prends ta valise. Julie, toi, tu sais préparer ta valise. Vas-y. Et Julien, on va s'occuper de ta valise à deux. Alors, regarde, on va prendre des tenues. Celle-là, elle te plaît, celle-là? Oh, oui, regarde. On la prend. Attends, maman. Je vais essayer pour voir si elle me va encore. Vas-y. Est-ce qu'elle me va encore? On va voir ça. Alors, oui, je me l'enfile. Ah non, c'est pas celui-là. J'ai pris un au hasard, mais non. Quand c'est celui-là. Voilà. Ouais, elle me va encore. Pantalon, je suis pas convaincue. Ouais, en vrai, ouais. Okay. Essaye ce jean bleu. Il peut peut-être aller mieux. Ou... Non, plutôt le noir. Le noir? Mais plutôt le noir. Ah non, ça, c'est pas noir. Non. Mais attends! Ouais, on peut la garder. Allez. Une autre tenue. Voilà. Oui, tiens. Mais donc là, c'est le pantalon noir et doré. Et ton maillot Adidas noir et doré aussi. Allez, vas-y, essaye. Alors, mon noir et doré. D'ailleurs, le noir et doré, tu l'as mis pas longtemps. Voilà. Et le noir et doré. Maman, est-ce que je peux mettre celui-là? S'il te plaît. Non. Oh. Moi, j'ai envie mais l'autre, mettre... il va mieux. Pas tellement. Mais... Non, il est où? Voilà. Allez, dépêche-toi de l'enfiler. Bah attends, je te cherche. Bah, tu le cherches, il est devant toi. Oh, oui. Ah oui, il était derrière moi. Ah, je le prends. Voilà. Allez, mets-le. Voir. Bah, nickel. Tu peux ajouter quelques petits jouets que tu peux utiliser. Ah, ouais.
Des accessoires. Bah, des accessoires que tu auras besoin. Celui-là, je sais pas. Hein. Non, non, non. Un autre noir et doré. Oups. Je pense que peut-être. Alors. Oh, on peut voir chez les gens. Ouais, on nous copie à la maison d'à côté. C'est exactement la même maison que nous. Ah non. Alors, je vais chercher mon pantalon. Non, bah, mais... je vais mettre. Ça va quand même un peu manquer, du coup j'ai mis des trucs à travailler. D'accord, c'est bien. Je sais pas si. Bah, va le mettre dans le coffre de la voiture, Julie, et habille-toi. D'abord, c'est maman. Prends celui-là, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, Julien. Oh, c'est pas juste. Prends un pantalon. Au pire, on va prendre un autre pantalon noir, celui-là. Tiens, essaye celui-là. Celui-là, je pense qu'il est allé mieux. Celui-là. Oui, il va bien. Ok, on prend ça. C'est une tenue. Regarde, maman, c'est le même que celui-là, mais celui-là, bah, il n'y a pas de trou. Oh. Ok, attends. On va prendre cette tenue-là. T'as pas besoin de l'essayer ? C'est celle que je t'ai achetée. Celle-là, non ? Oui, celle-là, oui. Avec ça, oui. Ça. Voilà, allez, mets ça dedans. Nickel. Non, va pas voir. C'est des gens qui... Viens choisir des maillots de bain, Julien. Moi, j'ai choisi tout. Bah, le feu, il... ces deux-là, là, il... Monsieur, c'est ses pas préférés. Besoin. Des chaussures. Oh, mon Dieu. Oui. Et donc, les chaussures, ils sont en bas. Nickel. Tu peux prendre des jouets. Je te laisse. Est-ce que je peux prendre un costume? Oui. Mais tu mets tout dans la valise. Et après, tu mets tes... Je vais mettre mon costume, papier toilette. Oui, mais change-toi de tenue et... Maman, je mets celui-là. Julien, tu mets ce que tu veux. Je mets celui-là ou celui-là? Non, n'ouvre pas. Oh, monsieur Julie, qu'est-ce que tu fais? D'où il est rentré? Comment il est rentré? Je ferme la porte. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi il s'est éjecté comme ça dehors? Bon, laisse tomber. Maman, viens voir, je mets lequel, s'il te plaît, tu vois. Je mets celui-là. Ou celui-là? Ben, les trois. Tu mets ce que tu veux. Ok, celui-là. Ah ouais, mais je mets celui-là. Mais non, fasse pas l'aspirateur, Julie. Mets-toi une jolie tenue. Alors, le carton, il va bien. Allez, et mets Monkey. Ah, voilà, j'ai trouvé monsieur, mon Mister, mets Monkey, Mister Hippopotame, et on y va. Ton ballon de foot, et puis on part. Mon ballon de foot, il est où? Et là, et Monsieur Hippopotame. Allez, on y va. Julie, go la voiture. Julien, dépêche-toi. En plus, il pleut. À Laftopia, normalement, il pleut pas. Il fait toujours beau. On ferme la maison à clé. Je vais fermer les volets. Voilà. Allez, tous dans la voiture. Julien derrière. Tous les deux derrière. Nickel. T'as fermé les volets? Oui. Let's go l'aéroport qui est pas loin de chez nous. Oh, il y a déjà des gens qui vont à l'aéroport. Bon ben, on sera pas tout seul dans l'avion malheureusement. À moins qu'ils prennent pas le même vol. J'ai mon ballon, maman. C'est pas gentil. J'ai acheté un ballon de foot. C'est quoi? Julien, arrête, tu m'empêches de garer la voiture. Voilà. Oh, Julien, enlève-moi ce ballon de foot. Allez, on va dans l'avion. Oui, tu peux sortir, Julie. Mais il y a plein de monde qui veulent aller à l'aéroport. Du coup, les valises, je les ai
Donc j'ai celle de Julien, j'ai tout, nickel. Julien, tu vas arrêter avec ton ballon. Et tiens ta valise, tu l'as oublié. Merci. Il y a un ballon qui est chaud. Allez, allez dans l'avion, s'il vous plaît. Merci. Allez, allez vous installer. On peut jouer au ballon de foot dans l'avion. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut jouer au ballon de foot dans l'avion. Bien sûr. Ah, maman, elle a dit oui, bien sûr. Ouais, du coup, ça veut dire qu'on peut jouer au ballon de foot dans... Non, Julien. Je parlais à ta sœur. Julien, viens t'asseoir, sinon on fait demi-tour. Et t'auras jamais vu. Oui, il y a des turbulences. Alors viens ici. Vous êtes arrivés à destination. Ok, let's go, c'est parti, go Laftopia. Ouais.